Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Et j'ai oublié de mettre ma dragonne, donc attention, quand on joue avec la Wiimote et un Nunchuk, il faut mettre la dragonne. D'accord. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour Super Mario Galaxy, épisode 2. Donc on espère que ça vous plaît. Super Mario Galaxy 2, épisode 2. Donc on espère que ça vous plaît. Faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires. Vous avez été très nombreux à être très enjoués. Il y a eu très vite plus de 1000 pouces bleus. Il y a eu énormément de vues. Enfin. Pour un vieux let's play, vous êtes nombreux à être contents et on est content que vous soyez contents, qu'on suive ce let's play et qu'on fasse un nouveau let's play, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Et du coup, nous continuons et nous allons faire ce let's play tous les deux jours. Puisqu'en ce moment, il n'y a pas de nouveau jeu et on sait toujours pas, on saura que mercredi, les grosses nouveautés de Nintendo, donc d'ici là. On fait du Mario Galaxy 2. Et nous allons faire un autre jeu Wii aussi. Oui, cet après-midi. Mais qui n'est pas un let's play, vous verrez. Et donc des Eris qui est... Attends, où c'est Je bon. Suis J1. Je suis J2. Ouais, donc là, c'est la deuxième étoile du nid de Yoshi. Ouais, donc on va retrouver Yoshi, je pense. Donc bien évidemment, vous pouvez hésiter à mettre un pouce bleu comme pour le premier épisode hein, et à nous dire si... Il y en a plein qui nous ont dit « Moi, j'ai connu la Wii, mais est-ce que je suis vieux alors ?» C'est vrai Moi, c'était la première console. Il y en a qui ont dit « Oh, tant de souvenirs. Bah, » Parce qu'en fait, il y en a plein qui ont fait ce jeu, forcément. Oui, puis maintenant, ça fait quand même 8 ans qu'il a... Enfin, il y a quand même 8 ans le jeu. 10 ans. Non, il est 2010. Non, il est pas 2008, je crois qu'il est. Non, 2007, c'est le 1. Ah oui, 2010, donc il a quand même 8 ans. Ouais. Il a quand même 8 ans, hein, c'est quand même pas mal. De rien. Au niveau du jeu vidéo, c'est quand même beaucoup. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut que je les tue, celle-ci. Donc faut qu'on ramasse beaucoup aussi de. De pêche. De. Oh yes. Oh, t'as tué la qui tue, quoi. Oh yes. Donc on ramasse beaucoup de fragments d'étoiles, parce qu'en fait, on aura besoin de certains fragments. De fragments pour faire certaines étoiles. D'accord. Allez, moi je suis loin. Ouais. Je crois ajouter le 2. Non, bah en plus ils ont à peu près la même couleur donc c'est un peu perturbant. Du coup, on va se balader, on cherche ce qu'il faut faire. Bah, ah, la qui tu es revenu. Il bouge plus. Je vais bouffer son nuage. Yoshi mange des nuages quand même. What up? Ici y a rien. Allez, c'est reparti. Mais je sais pas si c'est intéressant de manger des. Ah bah si, c'est des vies. Ouais, oui, c'est juste ça, ça donne des vies. Fais gaffe, y a la qui tue. Non, casser ça. Non, tu peux pas casser toi. Mais si, il m'avait dit que je pouvais casser rien. Il dit de pointer un cristal, appuie sur A et agite. Tu ah Ah oui Tu vois, je peux. Ah, donc t'es plus utile que tu en as l'air en fait. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Là, je peux pas par contre. Il faut que j'aille sur son nuage ou quoi? Tu penses? Bah non. Là, faut que t'ailles un trou. Non, ça c'est le truc de Yoshi. Ah bah là, faut que tu pousses. Faut que tu tapes. Ah oui, d'accord, ok. Non, j'ai compris. J'avais pas compris. Donc ouais. Yoshi peut les manger. Et après, il peut les relancer. Il peut les relancer. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, ok, d'accord. Ok, Dak. Donc là, c'est un mini-monde. Ouais, vas-y. Va dans chercher. Oh, c'est un monde de combat. Ah, il n'y a pas d'étoile. Normalement, il y a une étoile. Vite, faut se grouiller, Y'a pas l'air d'avoir des étoiles. Là. Je récupère les cristaux. Là. Non ! Non ! Vite, récupère ! C'est bon. Mange-le ! Ah bah c'est bon, c'est terminé. J'ai perdu Yoshi. Oh mais tu vas pouvoir le récupérer. Oui, il est en bas. Il n'y a pas un autre plus proche ? Là-bas, là-bas. Il est là-bas. Mais pourquoi tu vas dans la terre ? J'aime bien. Là, il y en a un. Il y a un Yoshi là. Eh, c'est bon, hein. Ça va, tu vas t'amuser à tout casser oui. maintenant. Donc lui... Donc il y avait une vie là-bas, donc tant pis pour la vie. Vas-y. Non ! T'as loupé ! Mais non, mais va-t'en, toi. Vas-y, mange-le. Ouais, j'ai un truc qui me gêne pour le viseur. Ah bon ? Ouais, je pense. Ah bah non, il est en haut. Il est où ? C'est parce que tu vises pas en haut. Ouais, c'est possible. Allez, c'est parti. Du coup, on sait comment faut casser tout ça. Oui, et puis moi, je peux casser, donc je suis plus utile que dans le 1. Bah, dans le. Ouais, t'as plus de possibilités, donc t'as un second personnage en fait. T'as moyen d'arrêter les ennemis, de casser les blocs, récupérer les pièces, récupérer les vies. Voilà. Ah oui, il faut attendre qu'il fasse spawn des. Tiens. Qu'est-ce qu'on vise, lui? Mince. Je vais chercher les pièces, François. Je voulais pas viser lui. Allez, réapparaît. C'est bon. Vas-y.
On va tout récupérer. Vas-y. C'est bon. Par contre, faut qu'il bouge. Bouge de là. Si, c'est bon. Merci. Vas-y, récupère. Là. Tu récupères, c'est bon. C'est bon. Et du coup, ouais, transforme, le lumière se transforme en petite étoile. Laisse-moi te guider. Oui. Ok. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? Fallait que je chope l'étoile là, j'avais pas vu qu'il y avait une étoile. Ah, fallait que je secoue au moment où je passe et du coup il y aurait eu un truc secret. Eh mais oh! Oh. Fais gaffe, je suis pas! C'est bon. C'est bon. Fais gaffe, je la retiens. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc faut que tu le manges quand même celui-là. Oula, il a failli percuter. Ah, Yoshi, il est gros. Allez, voilà. Et donc là, ça va être une étoile, je pense. Ah. Oh là, ça va être un boss. Tu penses? Bah... Non. Bah, c'est un truc où on peut aller... Si, si, si. Oh. Oh. Ah non, je vais y aller. Alors là, on a aucune connaissance des boss. Oh, bah, il est trop mignon. C'est trop mignon, c'est quoi? Bah, c'est le roi des lakitu, je pense. Ouais. Et donc du coup, il va falloir attendre qu'il nous envoie des choses pour qu'on le renvoie. C'est ça. Ah, c'est trop mignon. Ah, il a évité. Moi, je récupère pas toutes les pièces. Ah, il a évité. Mince. Oh non, t'aurais pas dû faire ça. Il y en a au sol, hein, des pièces. On va attendre qu'il bouge. C'est bon. Voilà. Oh, bien. Ouais. Tu récupères. Plein de cristaux. Oula, il est énervé le petit. Il va nous renvoyer un truc. Oula là là là, il est énervé. Ah, il est stylé. Eh, franchement, il est stylé. Il est trop bien, hein. Ouais. Ouais, ce boss-là, il est classe. Alors, ça, je ne sais pas du tout. Ça me vraiment dit rien. Alors, je sais même pas si... Ah, si je le chope en plein vol, les boules, eh ben, je les ai directement dans la bouche. Ah bon? Ah! Yoshi, reviens là. Bon, ils sont fait capote. Oh, mais c'est, tu lui as tiré dessus? Il faut que je récupère ça. C'est bon, touché. Ouais. Donc une troisième fois, je pense. Je pense aussi. Et ce sera content. Bon. Oula. Ouais, oulala, il est tout rouge. Il est tout rouge, le petit, il est tout rouge. C'est dommage qu'on n'ait pas les noms des boss. Oui, normalement, on les avait dans le 1, je crois. Bah, je croyais. On va attendre. Vite, ah, bien. Je peux les... Non, tu peux les mettre en boule. Je peux les mettre en boule. Attends, il y a Yoshi. Tu peux les mettre en boule? Ouais. T'es sûr? Oui, regarde. Bah oui, mais tu les as mis en boule. Regarde. Ah là. Regarde, hop, je les ai mis en boule. Ah ouais, bah continue. On va attendre qu'ils reviennent. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Donc je suis vraiment très utile, hein. Tellement, perdu. Tellement utile. Bah c'est toi, hein. T'avais qu'à bien viser. Ah! Mais on avait au moins 30 vies. On avait au moins 30 vies? Ah oui, c'est vrai. C'est comme dans l'autre. Les vies, elles se conservent pas. Et en gros, je vois que tu relances le jeu, bah tes vies reviennent à 5. Oh, c'est vrai? C'est nul. Bah, c'est nul. On va arriver à 100 vies. Bon bah je reviens faire mes vidéos aussi. Bon allez, concentre-toi cette fois. On va attendre qu'il rentre de l'autre côté. Hop là. Voilà. Premier shoot. Oui, c'est ça, on prend des pièces. Parce que non, ça donne pas de vie. Et je sais. Mais laisse-moi prendre des pièces. Ah, là, 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 là. C'est abusé qu'on perde toutes nos vies là. Ouais, j'avoue. Tu vois, si j'attrape en vol, je peux la gober direct. Ouais! Donc on est là où on était. Bon, je récupère ça. Arrête de gigoter ta. Ah, tiens, on a récupéré une vie. On a récupéré de la vie qu'on a perdue. Par ta faute. Bon, par ta faute, oui. Il faut que je chope ça. Quoi? Casse pour la pièce là. Pour la pièce. Quel idiot. C'est bon. Merci. Attends, je vais récupérer une. Fais pas de bêtises. Attends. Mais c'est pas des pièces ça. C'est si. Rien. Non, c'est, mais non, c'est rien. On va attendre qu'il passe. Il va dégommer tout ça.
Et on doit viser là. Oh là 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 là. Il n'arrête pas de bouger. Bah c'est normal, sinon ce serait trop facile. En vrai, il est dur. Hein. Mais comme on vise avec la manette, c'est pas évident, je trouve. Oh, le petit filou. Bien, c'est bon. Headshot. C'est bon, on a réussi. Ah, il est marrant son nuage. Bon bah au revoir. Il a perdu ses lunettes. C'était le roi. Le roi des Lakitu. Le roi des Lakitu, le gros roi des Lakitu avec son nuage violet. Ouais. Du coup on a une. T'as vu quand on prend avec Yoshi, du coup ça fait une cinématique avec Yoshi. Yoshi, bah oui mais c'est normal. Vous avez trouvé une étoile. Ouais. Et du coup il y a 232 étoiles. Bon, du coup on a 400. La partie a été sauvegardée. Ouais, bah ça sauvegarde pas les vies, c'est de l'arnaque. Ouais, j'avoue, c'est de l'arnaque. Bah du coup je pense qu'on va aller direct. Ah oui, ça sauvegarde même pas le fait qu'on a dévoilé ça. Ok, d'accord, très bien. Donc ça sert à strictement rien ce que tu as fait la dernière fois. Bah on va les donner à manger au gros là. Au gros c'était 300. C'était 300 mais on en a plus. On a 495 donc c'est bon, tu peux lui donner à manger. Invité. Invité à bord. On va le rejoindre. Ah oui, je suis battu, c'est un vaisseau. Bonjour. Tiens, on dirait bien que tu as trouvé un graphe Olima. Il porte bien son nom, prépare tes étoiles. Tu veux pas aller plus rapidement? Bon bah on se retrouve demain. C'est une blague. Ah mince. J'ai faim. Bon j'en ai perdu quelques-unes. Tu n'as fait que des bêtises. Voilà, je suis rapide. Attention les yeux, transformation. Une nouvelle galaxie est née. Ouais. Ah, ça je crois. Ouais. Ah oui, carrément, oh, yes. Quoi. Ah, c'est stylé. Ah oui, j'aime bien ces niveaux, ces non, niveaux-là. Non, non, ah, moi si, j'aime pas ça quand tu joues à ces niveaux-là. Bon, allez, Tayo. Oh mon dieu. 10 000 ans plus tard, il y a combien d'étoiles? Il y en a une ou deux? Ah si, si, ça me gêne, il y a un truc qui me gêne, je pense que c'est ça. Mais non, c'est parce que tu vises pas vers le haut. Non, c'est que je suis comme ça. Oui, bah pourquoi tu vises comme ça aussi? Parce que je fais ce que je veux. Il y en a qu'une. Die, clic, clac. Rejoindre cette galaxie. Pam 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 pam. Dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Dalle, clic, clac. Saut tournoyant périlleux. Ah, c'est pour moi ça. C'est une étoile spéciale, Guillaume. Non. Non, non, non. Oh là là. Alors, à chaque fois qu'on saute, la dalle se retourne. C'est normalement, c'est comme dans chaque Mario Galaxy. Ouais. C'est ça, hein. Un lapin. C'est un lapin. Ah, ah oui, c'est un lapin. Ah oui, non, c'est à chaque fois que je fais ça. D'accord. Bon, ça va. Oh oui, ça va. Pourquoi ça irait pas? Ah oui, à chaque fois que je tourne. Ah, du coup, c'est un piège, les ennemis. Ah oui. Parce que même si je reste au sol... Ah oui. Et que je tourne, eh ben, ça peut me faire tomber, tu vois. Ça, c'est bien, le joueur 2. Tiens, je sers à quelque chose. Bah ouais, tu récupères des vies. Bah ouais, c'est génial. Moi, je trouve ça bien. Ouais, moi, ouais. T'es vraiment utile, tu peux casser les blocs. Non, mais casse pas ça, il y a un ennemi. Bon, voilà. Allez, ramasse les pièces, esclave. Suis-moi. Arrête les tiompes. Joueur 2, arrête les tiompes. Ah oui, d'accord. J'arrête les tiompes. Ah bah, ça va. Il s'arrête go, tout seul. Go, go, go. Bah voilà. Non, c'est qui tombe, en fait. Ouais, ouais, j'ai vu. Cool. Alors. Ramasse la petite vie. Ouais. Ah, faut aller récupérer ça. C'est bon. Oh non! Mais je croyais que t'allais. Comme je pensais que t'allais pas l'arrêter. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais tomber. De toute façon, tu tombais. Dans tous les cas. Mais non, s'il y avait une plateforme de l'autre côté. Ah, oui, bon, ça va, ça ramène là, ça reste à sauvegarder. La maîtrise, madame. La maîtrise. Je les arrête, hein. Mais regarde, c'est abusé le truc qui tombe, ouais, mais il revient. C'est bon. Bon. Voilà. Joueur 2, arrête champ. Ok. Ok.
Non, elle est idiot, mais oui. Et en fait, j'étais lent. Fallait pas que je tourne la manette. Fallait pas que j'agite la manette. Allez, tu vois, je t'ai dit que t'arriverais pas. Ouais, d'accord, ramasse la vie là-bas. Oui, mais je sais faire mon travail, merci. Vite, la vie, la vie! Mais c'est bon, t'inquiète. Là, c'est pas évident. Voilà. Oh là là. J'ai dit que c'était un niveau pour moi. Non, c'est pas un niveau pour toi, justement, ça. Si, justement. Non, non. Bah, le contrôle Union Show est quand même beaucoup plus compliqué qu'une manette pro. Hein. Y a pas photo, l'amélioration est vraiment mesurable. Bah, si tu veux, je vais te chercher une manette, oui. Hein, si tu veux, je vais te chercher la manette, oui. La manette, oui. Bah, la manette que. La manette là, la blanche là. On peut pas jouer avec. Ah bon? Non. Elle est encore pire. La. Comment ça s'appelle? C'est la. Wii Classic. La Wii Classic. Ne secoue pas. Secoue. Voilà, on a réussi. On a eu la pièce comète aussi, hein. Oui, il y avait une pièce comète. Oui, vous avez trouvé une étoile. Heureusement que c'est moi qui joue. C'était un niveau spécial Guillaume, spécial Guillaume. Non, mais c'est vrai que ces niveaux, il y a toujours un. Donc nous sommes à 5 étoiles. Ouais, et 3 médailles comète. Et croix. Voilà. 3 médailles comète. 3 médailles comète. Le vaisseau Mario peut maintenant voyager plus loin. Hein? C'est quoi? Eh bravo! Tu as ramené un lapin stellaire. Eh petit gars, tu sais ce qui se crée encore mieux que ces êtres là? Ah bah en fait rien. Ha ha ha. Allons, te vexe pas Matelot, c'était pour rire. Ah oui, c'est qu'il y a un petit lapin. Bon, corrige-moi si je me trompe, mais on dirait qu'il y a quelque chose à te dire, Matelot. D'accord, donc en fait, il va y avoir une. Je pense qu'il va y avoir une lune sur notre propre planète. Tu penses? Ouais. Agite la manette, on ouvre l'arceau, en tournoyant, tu gagnes un petit peu de Boeing en hauteur et en longueur. Comment tu crois que je fais pour avec moi. C'est tout. C'est juste pour te dire ça. Ça t'aime les lapins. Et il parle, depuis quand les lapins ils parlent? Bah. Oh bah c'est bon, allez, on continue. Pourquoi j'ai spawn là, moi? Pourquoi j'ai spawn tout en bas? Salut Yoshi. Yoshash. Mario. J'adore la physique de Mario Galaxy, c'est stylé. Et c'est parti, en route vers le nouveau monde. On a débloqué un nouveau truc, du coup, c'est ça? C'est quoi? Ouais, ça. Ah bah c'était juste des... D'accord, c'était juste des... Voilà. Donc nous allons... Forage cosmique, donc il y a aussi deux étoiles. Fouropod et le forêt. Hein? Et la forêt? Non, le forêt. Ah oui, le forêt pour. Forêt. Tu sais, une étoile orange. Ça sert à rien. Oh! Bonjour, Foro machin. D'accord. Oh, un petit sbire qui me ramène des pièces, c'est bien petit. Tu travailles bien. Continue comme ça et je te libérerai peut-être. Oh. On avait trouvé un forêt. Ah, c'est génial! C'est trop bien! C'était Yantou pour récupérer la vie. C'est trop bien! Ouais. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas dans Mario Galaxy, je crois. Le 1. Dans Mario Galaxy. Ouais, donc il faut que j'aille tout en bas. Et tu passes par là? Non. Ah ouais! Ah, c'est génial! Ah, c'est une bonne idée, hein! Mais arrête de taper Luma. Tu m'as fait peur à surgir du sol comme ça. Il y a d'autres étoiles plus loin, essaie de les trouver. Luma. Tu dis Tu dis quoi? Tu dis une lune ou tu dis une lune? Hein? Mais j'ai dit Luma. J'ai dit étoile. Ah mais j'essaie de te retourner le cerveau.
n'importe quoi. On peut pas aller là. Par contre, on peut aller. Faut aller là-haut. Faut aller là. Fais gaffe, il y a des bulles qui ressemblent à des œufs là. Ensuite, faut aller là. Et du coup, de l'autre côté, on va être. Oh oh, ah, ah oui, il y a une pièce. Parlez, parlez. Maintenant, il faut déjà récupérer les comètes. Il y en a une dans chaque niveau, c'est ça, hein, je crois. Je pense. Voilà. Magnifique. Tu fais des trous en plus. M'en fous, c'est pas ma planète. Salut gros. Ouah, mais comment tu as fait pour arriver ici? D'autres étoiles t'attendent plus loin. Luma. C'est pas des étoiles, en plus c'est des super étoiles. Ah, sauvegarde. Pointe-les et agite. Ah oui, je peux les tuer. Hein? Tu peux les tuer? Bah quand ils sont comme ça, non? En eau ou plat, je peux pas. D'accord. Mais ramasse ces pièces. Ça m'évitera d'y aller. Allez, plus vite que ça, petit. Travaille plus vite. Ah, c'est Igen maintenant, je pense. Ça y est, voilà, bien travaillé. Bon. Il faut aller à l'intérieur, mais je sais pas comment on y va. Ah, Nadia, fais ça. Donc là, oh ouais, super étoile. Ça, c'est trop bien. C'est Mario Arc-en-Ciel, il est trop beau. Mais. Tu peux pas les tuer. Si, je peux les tuer. Ça sert à rien. Je peux les tuer. Ah, bah. Ça sert à rien, ces étoiles. C'est lui, c'est. Voilà. Ça sert à rien, tout ça. Pourquoi ça sert à rien? Mais parce que les Lévis, on les perd. Mais non. Ouais, si. Comment on va à l'intérieur? Là, non, mais ne va pas à l'intérieur, va par là. Ah, c'est... attends, faut attendre. Je crois qu'il faut en récupérer un, c'est ça, non? Tu peux aller vers le bas. Tu peux rentrer dans le truc, normalement. Ouais, mais avec les monstres, je pense. C'est moi ou je perds la boule? Pourquoi je pourrais rentrer avec les monstres? Attends. Ah bah il était là. Il est sérieux. Je me demandais où est-ce qu'il fallait que j'aille et lui il arrive 3 ans après. Voilà. Tu veux tuer les monstres ou pas alors? Bah pas tous. T'es sûr? Ouais. Ah yes. Oh. Oh joli. Bon, on dirait qu'on a plein de pièces, alors je sais pas à quoi servent les pièces. Bah dites-nous en commentaire si vous savez à quoi elles servent. Parce qu'on les accumule au vaisseau, alors elles doivent forcément servir à quelque chose. Voilà, c'est bon. Hey, hey! Wouhou! Oh! Oh, Captain Toad! Waouh, Mario, c'est vraiment toi! Chaleureux salutation de la part du capitaine de la brigade Toad! J'ai arrimé le vaisseau champignon ici car quelque chose de monstrueux nous bloque le passage. Tu n'irais pas dans cette direction par hasard? Eh bien, si. Oh! Ah bah on peut acheter. Non, merci. On va y aller comme ça. Au talent. Et du coup c'est parti, on sauvegarde et... Here we go. Il y a un monstre qui est en train de bloquer la route de Captain Toad. Je me souviens de lui. Comment on fait? Faut rentrer dans sa tête. Ah si, on a des trucs de forage. Il va mettre sa tête là. Et du coup... Il va falloir y aller comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Bien joué. Oula. Ah non, c'est bon. Donc là, il lance une torpille. Non. Raté. Faut attendre qu'il... Je sais pas, qu'il se mette par terre ou je sais pas. Là, comme ça. Non. Oh là. Non, Guigui. T'as perdu ton forage. Là, c'est fallait, non c'est voilà, bon. C'est ça. Allez. Ramasse les cristaux. C'est assez stylé, hein. C'est une bonne idée. Ouais. On utilise directement un... Et donc, il a cassé. Fais gaffe. Mais je suis coincé, je pouvais pas bouger. Non. Là, maintenant. Oui, voilà. C'est bon. Ouh.
Ah ouais, je suis resté bloqué deux fois à cause du nunchuck. Alors je sais pas si c'était la direction qui était pas bonne, mais du coup. Ou c'est toi qui sais pas diriger. MDR. T'as vu tous les Mario qu'on a fait? Tu crois vraiment que je sais pas jouer à Mario? Ouais. On va l'apprendre avec l'outil. Allez hop, c'est parti. Waouh! Oh bah avant, ça a déclenché avant. Du coup, il n'y a pas Yoshi cette fois-ci, puisqu'on n'est plus sur la planète Yoshi. Bah non, on est sur la planète Forage, où on fort. Donc on va aller chercher l'autre super étoile qui est sur ce monde. Luma! Vous avez trouvé une super étoile! Ça pourrait être le Luma blanc qu'on a eu au début, il sert à rien. Bah si, dans ta casquette. Mais si, il te permet d'avoir le super pouvoir. Ouais, mais on le voit jamais. Tiens, une vie, on a gagné. Parce qu'on avait 120 pièces. Ah, cool. Ah bah on a débloqué des mondes. Donc on a bientôt fini le monde 1. Les vaisseaux Mario peuvent maintenant voyager plus loin. C'est ça, hein? Bah, je sais pas, peut-être. Oh, voilà un de mes petits hauts. Je me demandais ce qui lui est arrivé, ça alors. Il a construit un vaisseau pour revenir ici, hein, mais brave petit gars, non, mais quel équipage! Tu connais ces gars-là, Matelot? Ah, il est horrible. Tu veux visiter leur navire? Bah, dans ce cas, utilise tes porteurs jusque-là. Juste là. Bon, pour l'instant, on va pas aller voir Captain Toad, on ira voir dans le prochain épisode. Ouais, et bah là, on va aller faire le. Ah, tiens. Ah, un dé. Ah, mais tout à l'heure, l'ISM, on l'a pas lancé. Soit une vie, mais pas une vie. Hein. Ah, oui, ça, c'est bien. Ouais. Mais ça donne beaucoup, quoi. Je suis prête. Tiens-toi bien, il y en a un. Un fragment d'étoile. On est trop contents. Hein. Ouais, ah, je suis au plus heureux du monde. Bon. On va retourner au même endroit. Donc ouais, on a débloqué. Cosmique. Je veux juste voir ce qu'on a débloqué. On a débloqué Terrasse, donc là il y en a qu'un. Et là il y en a un aussi. Ah, il y en a qu'un aussi. Et puis bah, après, ça sera Bowser, ce sera la fin du monde 1. Alors je sais pas combien il y a de monde. Bah, si c'est comme dans tous les Mario, il y en a 7. 7-8, ouais. 8. S'il y a des bonus. Ouais. Bon, c'est cool. Ce qui est bien, c'est que. On change vite de monde. Alors par contre, mais où est Harmonie? Ouais. Elle a disparu. Je crois qu'on la revoit après un petit peu. On la revoit. Parce que c'est elle qui nous guidait normalement. Oh regarde, c'est une étoile d'argent. Du coup, faut en récupérer sûrement 5. Ah, la fouille des étoiles d'argent, ouais, ça doit être ça. Attention. Ah, voilà. Pas lui. Méchant Mario. Méchant, tu vas mourir. Il est là. Là. Oh oui! Ah oui, ça. Mais il n'y avait pas d'étoiles d'argent? Non, elles sont plus loin. Est-ce qu'elles sont là? Non, elles sont pas là. Je crois que tu pouvais les tuer les petits là. Ouais, je peux. Ah oui, tu peux. Ah! En fait, c'est long, mais j'y arrive. Je pense qu'il faut juste que tu pivotes, c'est juste que t'arrives pas à bien pivoter. Mais comment ça, j'arrive pas bien? Pivote plutôt avec ta manette en faisant ça. Non, je peux pas, c'est que haut vers le haut, vers le bas. Et que quand ils sont en forme bulbe. Bon bah voilà. Bah, raté. J'ai pas le choix. Et donc là, on va à l'endroit où il y a les étoiles. Utilise A pour les immobiliser. Ouais. D'accord. Oh lolo. Oh là, il y en a plein de pièces. Ah bon, on les a eu, je pense, non? Non. On va voir que s'il dirige mieux. Non, faut faire comme ça, je peux pas diriger, ça rebondit. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je peux les stopper eux? Ouais. Bien joué. Alors, je commence à être balèze. Ah, c'est pas mal, parce qu'ils ont fait un. Au niveau du boss du joueur 2. Ouf. Bah bravo, merci joueur 2. Hein. Je suis balèze du joueur 2, ouais, bah t'es vachement balèze. Donc toute la banane c'est le forage, c'est pas mal parce que ouais, à chaque fois t'as un truc. C'est moi qui en aura le plus. Tiens, là y'en a plein qui vont arriver vite. Là. Ah bah. Un champi. Bah un toad. C'est une planète toad. Regarde, ah y'a bah, des toads partout. Il dort. Salut gros. On lui parle ou pas? Non. D'après mon enquête, une étoile d'argent aurait été repérée par là. Selon mes calculs, quand on ramasse 5 étoiles d'argent, on a une étoile de super étoile. Alors, la première étoile d'argent, elle va être par là, je pense. Ouais, là. Prends un truc de forage.
une. Ah ouais, elles nous suivent. C'est trop mignon. Est-ce qu'il y en a qu'une là ou il y en a une autre? Je ne sais pas. Je vois rien. Je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y en a qu'une. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. Ah bah j'ai eu la plus longue. Deux. T'étais la seule qui était la plus loin? Ouais, j'étais le plus loin possible. Donc là, il y en a deux. Ouais, mais... Ouais, l'autre, tu vas pas pouvoir la récupérer. Là, je suis obligé de redescendre. Et revenir, et repartir en haut. Et repartir tout en haut. Donc là, elle était... Elle était, encore, elle était, encore, elle était encore. Là, je pense. Ah mince. Non. Donc, elle est juste en dessous, elle est là. Là. Oui, bien. C'est bon. Bien, 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 bien. On va passer par là. Peut-être là, je crois. Ah oui. Ah mais du coup, dans l'autre sens. Bah non, dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Donc de l'autre côté. Bah là, quoi. On va remonter et on descend. Oh, c'est pas mal, c'est une bonne petite étoile, c'est un petit, ouais. C'est comme une sorte de petit mini-jeu. Non. Ah oui, d'accord. Ah bah juste, juste là. Ouais. Pito. Et ça crée une super étoile. Donc nous sommes à 6. 7. On peut même plus compter avec une seule main, vous vous rendez compte. Ouais. On avance, hein. Elle est où par contre? Je sais pas. Là. Elle est là. Yes. Tam 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 tam. Bon, on a fini. Vous avez trouvé une étoile. Et donc, enfin, dans le prochain épisode, on fera les deux autres mondes qui sont apparus et puis le mini-boss. Ah, puisque là, on a fini celui-là. On a commencé et fini celui-ci. On a fait aussi celui de l'étoile gourmande. Ouais. T'as vu, il y a le temps qui se met en bas à droite à chaque fois qu'on finit. 4 minutes 42, du coup, t'as mis. Pour ce monde-là. Ah bah tiens. Bon, Moussaïen, ouvre grand tes pavillons, je ne le répéterai pas. Il y a un taude qui s'en est pris à amasser les... Non, qui s'est mis en tête d'amasser les étoiles, enfin les... Pour les garder en sûreté. Monsieur se vend pour un banquier, à voir de quoi je mijote. Va donc voir ce qu'il mijote. Ah, on a l'objet. Ah, tu nous ramènes quoi de beau cette fois, Moussaïen? C'est un forêt, c'est ça. Eh, hey, tu vas pas nous faire des trous dans la coque quand même? Ha ha ha, la partie est sauvegardée. Bah si, on va pouvoir les récupérer, c'est ça. Et tu veux les utiliser? Non. C'est quoi ça? Mais non, c'est juste... Non, c'est juste... quoi ça? C'est l'observatoire? Ouais, je pense. C'est trop mignon. Ouais. C'est où? C'est dans ta tête. Ah oui, c'est là. Ah oui, d'accord, ok. C'est dans ta tête. Une petite allusion découvre. Alors, on va juste voir ce que mijote l'autre guignolo, là. Il est où? Où est-ce qu'il est? Il est où, le banquier Toad? Bah, il est où? Il vient sur ta tête. T'as pas été sur ta tête. Ouais, c'est vrai. Il est... C'est lui? Ah, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mario, écoute ça, j'ai ouvert une banque. Grâce à toi, tu peux partager des fragments avec un joueur qui utilise un autre fichier de sauvegarde. Ah non. Oh, bien sûr, si tu joues tout seul, je peux simplement garder tes étoiles en réserve. En plus de ça, j'essaierai de trouver des fragments pour les ajouter à ton compte. Tu disposes de 100 fragments dans ta réserve. Si tu veux faire, tu peux faire un dépôt ou un retrait. Bah non. D'accord. Mais pourquoi tu veux faire un retrait? Bah, je peux déposer 300. C'est ça? Ah ouais, mais pourquoi nous donner 100? Bah on retire. Bah ouais. Ok. Okay. On l'a dépouillé. Ouais. Ah, c'est qu'il en a et dans du coup on va peut-être pouvoir aller le voir et récupérer. Ah ouais. Mais bon, par contre, c'est pas mal parce que pour un joueur qui aurait du mal à récupérer, si tu joues en même temps. Si ouais, il peut lui donner des fragments. En tout cas, on espère que ça juste vous voir, plaît. Attends, on va juste voir Captain Toad pour voir s'il a quelque chose à demander, comme ça on saura ce qu'il veut pour la prochaine fois. Et on va finir là-dessus. Ouais. Ah bah, en tout cas, on espère que ça vous plaît. Hein. Faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires. Bien évidemment. Salut Mario, nous sommes la Brigade Toad. Notre mission est de trouver les étoiles. Des super étoiles pour sauver la princesse. Ne faut pas, tout est sous contrôle. La Brigade Toad peut faire cette mission les doigts dans le nez. Ah mais oui, il en trouve. Il te dit où c'est après, il donne pas des indices.
Je sais pas. Mais si, dans Mario Galaxy 1, c'était comme ça. Ah bah tiens, attends, j'ai vu un truc. Ça. Ah, c'est pour, c'est pour que Yoshi il mange. Du coup, ça a donné une vie. Ouais, je pense. Ok, bah du coup, on va finir là-dessus. On espère que ça vous plaît, faut pas hésiter à mettre des pouces. Bah, la prochaine fois, ça sera sûrement le premier affrontement avec Bowser. Hein. Ouais, je pense aussi. On se retrouvera dans 2 jours pour la suite. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut! Salut!